Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler d'une nouvelle race et cette fois-ci nous allons parler du dalmatien, ce croate tacheté. Ce grand chien élégant à la magnifique robe tachetée viendrait de Dalmatie, l'une des quatre régions historiques de la Croatie. D'abord chien de chasse et de guerre, il a ensuite eu pour fonction première au XVIIIe siècle d'ouvrir la voie aux cochers et à la diligence transportant le courrier. Il aboyait pour avertir et éloigner les passants et les autres animaux. À travers ses différents rôles historiques, il a toujours gardé une belle affinité avec les chevaux jusqu'à ce jour. Vigoureux, très énergique et endurant, c'est un excellent trotteur à l'instinct de chasse prononcé. Le dalmatien ne supporte pas d'être seul ou attaché et n'est pas spécialement fait pour la vie en appartement. Il aura besoin de beaucoup d'espace et d'activité. Sensible, amical et indépendant, il est réputé facile à éduquer s'il est en bonne santé. En effet, un tiers des chiens de cette race souffriraient de surdité et ils peuvent avoir des problèmes de santé variés dus à la consanguinité. Concernant le standard, le dalmatien fait de 54 à 62 cm au garrot pour un poids allant de 25 à 30 kg. Son poil quant à lui est court, dur, serré, lisse et luisant. Et concernant sa robe, il n'y aura pas 36 000 variations, ce sera forcément un fond blanc avec soit quelques taches noires ou quelques taches marron appelées foie. Et son espérance de vie va de 10 à 13 ans. Donc de mon côté, ce n'est un chien qui ne me correspond pas encore une fois par rapport à son instinct de chasse. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, de toute façon il est trop grand pour moi. Pourtant, je ne mentirai pas que petite, j'ai forcément, comme tout le monde, rêvé d'avoir un chien des 101 dalmatiens. En tout cas, je pense que c'est une bonne option à envisager, après il faut voir comment c'est gérable avec la partie chasse. Mais si vous êtes fan d'équitation, vous avez tendance à partir en balade avec vos chevaux, de pouvoir avoir en chien un dalmatien, puisqu'apparemment il n'en aurait pas spécialement peur. Mais il faut réfléchir au-delà de juste cette partie pratique, voir si le reste de l'animal vous plaît. En tout cas, j'espère que la présentation du dalmatien vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !